L'élection de Donald Trump ne passe toujours pas pour de nombreux Américains. Comme la veille, des centaines de personnes, en grande partie des étudiants, ont manifesté à travers tout le pays et en particulier devant les propriétés du magnat de l'immobilier, élu président. Washington, Baltimore, Philadelphie, New York, Los Angeles, San Francisco, Oakland en Californie, Denver au Colorado ou encore au Texas, l'amertume et la crainte sont palpables. Nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux. Hillary a remporté le vote populaire, l'amour que Trump déteste. On doit continuer la bataille, s'il vous plaît. Donald Trump doit savoir que nous sommes mécontents de ce qu'il a dit et tant qu'il ne s'est pas excusé et présenté comme un vrai Américain pour tous les Américains, il doit démissionner. Nous sommes un pays d'immigrants, nous sommes un pays de travailleurs acharnés et les plus faibles ont toujours apporté quelque chose à ce pays. Pendant la campagne, beaucoup d'Américains ont été choqués par les déclarations de Donald Trump sur les femmes, les immigrés, les musulmans ou encore les réfugiés. Aujourd'hui, ils ont peur qu'il mette ses promesses en œuvre lorsqu'il prendra ses fonctions le 20 janvier.